Salut, bon, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur Another Homepage, je suis Nils et on se retrouve pour un nouvel épisode de découverte d'outils qui sont liés ensemble, qui sont quelque part des, on va dire, des bloqueurs de publicité et de télémétrie et de trucs un peu potentiellement dangereux via DNS. On a testé sur les deux dernières vidéos, on a fait joujou avec PyHole, on a fait joujou avec PyVPN, alors c'est un outil de VPN, c'est pas un outil de blocage de contenu, mais c'est quand même lié bien souvent à PyHole. Et aujourd'hui, pour ce troisième épisode, on va partir à la découverte d'AdGuard. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, et j'espère aussi que le son est correct. Voili, voilou pour aujourd'hui le programme. Aujourd'hui, le programme. Et visiblement, il y avait de l'écho. Alors, j'en profite tout de suite pour couper le son de tout ce qui est retour vidéo. Comme ça, au moins, j'ai pas de soucis. Non, là aussi, c'est bon. Alors, allons-y. Où est-ce que j'en étais? J'en étais à. Je vais vous montrer quand même où est-ce qu'on en était. Où est-ce qu'on en était resté sur les épisodes précédents et ce qui avait été mis en place. Il me suffit juste d'un petit instant. Parce que. Alors j'essaye de préparer, enfin de préparer. Préparer, hein, parce que vraiment préparer. Ce serait pas forcément évident, mais en gros, c'est d'arriver au moment du stream où il y a quand même un minimum de choses qui sont déjà prêtes. Salut à toi Sébastux, et d'ailleurs, merci pour tous tes liens sur le Discord. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous parler du Discord de la chaîne. Je vous rappelle sa présence qui est juste ici dans les liens. Et Sébastux a profité comment dire, dans un canal du serveur Discord pour rajouter quelques liens fort sympathiques que j'ai pas eu le temps de tout regarder. Mais ça commence déjà à être intéressant. Salut à toi Xavier, merci d'être présent. Pop, 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 pom. Hey, salut Rancune, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous avez toutes et tous passé un excellent week-end. Salut à toi Emmanuel. Pop, 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 pom. À la base, je cherchais quand même le petit schéma qui va bien. Hop. Faudrait que je range ça un peu mieux. Je sais plus ce qu'on en avait fait. Non, c'était pas celui-ci. Fichtre alors. Bon, c'est pas grave. Oui, Xavier, ce soir, on s'attaque à AdGuard. Parce que, en fait, la semaine dernière, pas mal me l'avait réclamé. Et moi, tu sais, je suis du genre à faire plaisir aux gens. Je ferai pas forcément tout le temps, il y a des fois je peux trouver de l'intérêt ou pas. Là je me suis dit ça peut être l'occasion de tester. Alors, bon bah puisque j'ai pas le schéma, eh ben, on va tout de suite passer sur hop, le vif du sujet. Alors, hop, au passage, pour celles et ceux qui ont suivi, le son est faible. Alors, hop, si je ramène le micro plus proche de moi. D'ailleurs, salut Alain. Déjà, ça devrait être pas mal. Et puis. Et ben on va remonter encore un peu le son du micro. Est-ce que c'est mieux comme ça? Parce que là, j'ai rajouté j'ai rajouté de la patate dans le micro, hein. Ouais, Xavier, j'ai fait les mises à jour hier. Comme certaines ou certains ont pu le remarquer sur les réseaux sociaux, j'ai fait un petit peu de clickbait, on va dire. Mais honnêtement, comment dire, c'était un non-sujet, cette mise à jour. Je veux dire, c'était limite ennuyeux. Rien de particulier, pas de problème. Mais bon, il paraît que l'ennuyeux, c'est bien sur ce genre de sujet-là.
Hey, salut à toi, Dige. J'espère que tu vas bien, que t'as passé un bon week-end. Donc, bon, ça c'était juste pour dire que, hey, au fait, tout est à jour. Pop, 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 pom. Mais j'ai ici donc le payroll. Save, hop. On a même. Alors, ça c'était PyVPN. Ça c'était la doc de PyVPN. Paf. Et on avait donc AdGuard ici, et on avait même leur site GitHub. Tiens, je vais en profiter d'ailleurs en parlant de GitHub. Ah mince, tu bosses un dimanche. Ouch. Bon, écoute, j'espère que t'es pas non plus trop à la bourre et que tu pourras profiter du live avec nous. Tiens, je vais en profiter pour légèrement. Hop. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de blanc dans le chat. Bon courage à toi, et puis j'espère qu'on te fera une compagnie sonore plutôt sympathique. Alors, d'ailleurs, oui, j'en étais où moi? J'en étais en parlant de GitHub, parce que ça, c'est sur. Là, on est sur le GitHub. Si jamais ça vous intéresse, sachez que j'ai aussi différents codes sur GitHub. Quelques petits trucs qui peuvent parfois être utiles et ou intéressants, je vous le souhaite en tout cas. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, github.com/ahpnils. Vous retrouverez de toute façon tous les liens, que ce soit bah, les liens qui sont là à côté là. Non, j'ai dit à côté. Hop, hop là. Ouais, en gros, fallait que je pointe le doigt sur le micro. En gros, vous pouvez retrouver tous ces liens normalement dans les liens cliquables en dessous là sur l'interface Twitch. Et si je tape pas dans le micro, vous devriez aussi avoir notamment ma page perso, anotherhomepage.org, sur laquelle vous retrouverez normalement toute ma présence sur les réseaux sociaux, dont le GitHub et le Discord. Ceci étant indiqué, hop. Ce que j'ai préparé entre guillemets, même si je dis souvent que préparer c'est tricher. Donc là, on est sur comment dire on va dire une infra virtuelle qui est à côté de moi, et j'ai préparé à l'avance juste deux machines, une machine qui s'appelle PyHole AdGuard et une autre qui s'appelle PyHole Containers. Donc l'idée, ça va être d'essayer AdGuard, et si jamais on a le temps, on essaiera de voir si on peut utiliser en conteneur bah, des briques comme AdGuard, PyHole ou PyVPN, pour voir un peu ce que ça donne. Alors, ils ont un wiki. Ok. Est-ce qu'il y a un truc du genre installation Git? Ah bah voilà, getting started. Alors en gros, ouais, comme d'habitude, j'ai envie de dire, ils font un script d'installation. Et ensuite, ou alors ils ont. Voilà, ils proposent un truc sur Docker. Bon bah c'est pas mal. Alors le script d'installation, c'est bien gentil. Moi, ça me fait toujours un peu. Vous savez, les curl machin, pipe sudo bash ou pipe sh. On va quand même jeter un œil à ce qu'il y a dedans. Alors, est-ce qu'il vient décompresser genre une grosse archive tar et il fait plein de trucs? C'est toujours un bon réflexe que d'avoir quand vous avez des produits qui sont en mode curl mon script, pipe sh, sudo sh, de regarder un peu ce que fait le script pour ensuite ben, réussir à comprendre ce que ça fait et pas lancer le truc de façon comment dire, de façon trop confiante. Alors je vais pas forcément. Oui, tout à fait, c'est exactement ça, Xavier. C'est pratique, mais ça risque d'être dangereux parfois. Donc bon, a priori, pour le moment, je vois pas grand-chose. Alors, je le découvre en même temps que vous, hein, le script. Tiens, d'ailleurs, je vais quand même vous indiquer. Est-ce que je peux copier-coller ici? Oui, je peux copier-coller ici. Et je vais mettre ça d'ailleurs aussi dans les liens du live. Sur le Discord, comme ça c'est fait. Alors,
Donc a priori, il gère plusieurs OS et il prend en charge. Ah ouais, on peut installer AdGuard sur macOS, soit FreeBSD, Linux, OpenBSD. Bon, après, j'imagine que selon les Linux, donc All Right Gone ou Unsupported Operating System. Ok. Alors. Donc il vient détecter aussi le CPU, j'imagine que c'est pour l'architecture, il doit y avoir des binaires qui doivent dépendre de l'architecture CPU. Et il doit avoir des trucs... Ouais, pareil. Bon, c'est quand même pas mal, quoi. Il gère i386. Ouais, c'est ça, 386. L'AMD 64. ARM V5, ah ouais, quand même. ARM V6, ARM V7. Arch 64, ok, c'est cool. Alors, Sébastux, pour l'anecdote, figure-toi que lorsque j'ai installé un produit commercial une fois, de toute façon, honnêtement, je vais pas, enfin, je vois pas pourquoi je le dirais pas, j'ai voulu essayer une fois DaVinci Resolve sous Linux. DaVinci Resolve, c'est un logiciel de montage commercial qui est disponible pour Windows, Mac et Linux aussi. Et je me suis dit que j'allais essayer ce soft-là parce que bah, j'en avais entendu du bien. Et en fait, la première installation, je n'ai pas compris pourquoi, ce qui s'est passé, mais DaVinci m'a dézingué toutes les icônes de GNOME. En gros, là, tiens, je peux, enfin, en gros, là, quand tu fais, quand tu utilises la touche super et que tu vas dans Show Applications, là, je n'avais plus rien. Alors, il avait juste viré les icônes. Il n'avait pas viré toutes les applications. Mais récupérer les icônes, en soi, c'était, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait, bah, en fait, j'ai fait une réinstallation de tous les packages de ma distrib. J'ai fait un rpm-qa pour avoir toute la liste des rpm installés. Et derrière, j'ai balancé cette liste en me disant « Vas-y, DNF réinstalle. » Pour que tu me ramènes tous les fichiers au cas où il y a un autre fichier qui se soit barré. J'ai laissé la machine tourner et après ça allait. Mais c'est pas parce que c'est une compagnie commerciale qu'il n'y a pas des fois des risques de bugs. D'où effectivement l'intérêt de l'installer ici dans une VM. Alors, dans mon cas de figure, j'étais vraiment confiant. Hein. Je l'ai fait sur le PC qui me sert à streamer. Hein. J'étais en mode « Oh, j'ai pas envie de réinstaller à l'arrache l'OS. » Enfin, voilà. Le classique, quoi. Qu'il ne faut pas faire, finalement. Mais voilà. Je l'ai fait pour vous montrer que c'est pas ce qu'il faut faire. Voilà, voilà. Donc, on sait jamais, sur un malentendu... alors, je dis pas qu'une lecture comme ça, j'ai envie de dire, à l'arrache... va me permettre de détecter un bug, mais on sait jamais, sur un malentendu, on pourrait voir un truc. Salut à toi pendant ce lag. Alors, changement d'angle de caméra. Alors, je t'avoue que le changement d'angle de caméra, il n'est pas particulièrement réfléchi, et non, je ne regarde pas le football. Je ne regarderai pas la Coupe du Monde au Qatar. Salut à toi McFly, j'espère que tu vas bien, j'espère que les derniers arrivés, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et oui, tout à fait Sébastux, l'intérêt de l'installer dans une VM, oui, certains trucs par précaution, vaut mieux quand même les installer dans un environnement, j'ai envie de dire, bac à sable. Salut à toi Curtisix. Mais malgré tout, l'environnement bac à sable, attention. Figurez-vous, je sais plus où est-ce que j'avais entendu ça. Je crois que c'était dans un... Alors, je n'en suis pas sûr, donc ne prenez pas ce que je vais vous dire pour argent comptant, mais je crois que j'avais cru entendre dans un épisode du podcast No Limites Sécu, des gens qui faisaient des tests... de malware et autres virus... Bah en fait, ils achètent des PC du commerce pour comme machine de comment dire, comme machine de test, des PC physiques, parce que maintenant les malwares et les virus arrivent à détecter quand ils sont dans une machine virtuelle.
Et ça se comprend parce que typiquement là, ici, là, alors je sais plus si j'ai, je sais pas si j'ai le binaire, hein, mais on va voir. Hop, on va grossir un petit peu. Donc là, je suis en croûte. Je vais lancer la commande DMI décode que je vais tout de suite donner à manger à Les. Et là, en fait, tu le vois tout de suite que c'est une machine virtuelle, en fait. Parce que déjà d'une, le BIOS, il est de chez Cybios, avec une release très clairement orientée distrib. Et là, tout de suite, sur le fabricant de la carte mère dans DMI décode, tu vois tout de suite manufacturer QEMU, product name standard PC Q35 plus ICH9, version en plus Q35 avec un serial number non spécifié, enfin voilà, pareil châssis information manufacturer QEMU. Donc déjà rien que ça, la machine elle est grillée. Je veux faire un malware sous Linux, honnêtement, si je veux m'attaquer à des gens qui sont en environnement bureautique, moi, déjà, je peux faire un check, vérifier si DMI décode est présent. Si DMI décode est présent et qu'un DMI décode me renvoie châssis information ou système information QEMU, je peux dire, ah, c'est une VM. Donc voilà, c'est par rapport à ce truc-là. Salut à toi, Parados. Salut à toi, The Vengeur. J'espère que vous allez bien. Et pendant ce lag, parfait, j'ai donné la réponse correcte concernant le foot. Ouais, je... Après, c'est un avis complètement personnel. Hein. Alors oui, on peut changer les valeurs présentes dans le DMI des codes. C'est très probable, mais honnêtement, la plupart des gens ne le font pas. Et puis, réussir à... J'imagine que réussir à faire en sorte qu'une VM se fasse passer pour un, pour une machine complètement physique... Ça doit être pas évident. Donc je peux comprendre que entre passer des heures et des heures à tuner des machines virtuelles en espérant qu'elles ne soient pas détectées ou ne pas s'embêter, aller à la première grande surface du coin et acheter un ordinateur à pas cher, je peux comprendre l'avis, tu vois. Même si c'est vrai que d'un point de vue consommation électrique, quand tu as une salle avec une dizaine de PC de test derrière des connexions ADSL faites pour vraiment être des connexions grand public, effectivement, d'un point de vue coût, d'un point de vue électricité et donc écologique, je comprends que la problématique se pose. Bon, toujours est-il que pour le moment... Ils nous font des fixes, des machins... Ah oui, d'accord, c'est juste des pour setter des variables. Des downloads... Ah oui, d'accord, il va regarder s'il y a curl ou wget. C'est pas con. Open... Nanana... Set channel, set OS, set CPU... Ok, donc a priori, il vérifie qu'on est root. Il télécharge, il unpack. A priori, il va chercher un zip, hein, si j'ai bien compris. Il va chercher les releases... Est-ce que le... Hop. Alors, avis partage d'ailleurs notre ami commun Chaos partage également ce même avis. Il n'y aurait pas moyen de faire un truc côté stream tous ensemble pour tous ceux qui vont souffrir les prochaines semaines du fait du monopole footballistique à la TV. Je n'ai pas mes entrées à la télévision, donc je peux pas les empêcher de passer du foot. Mais après, j'ai envie de dire, ceux qui aiment le foot ne me dérangent pas en soi. Mais tu veux dire peut-être organiser un événement qu'on pourrait appeler dissident. Ça peut être une idée. Après je suis pas... Je ne suis pas d'accord avec l'attribution du Qatar et je ne suis pas d'accord avec la manière dont les infrastructures ont été mises en place pour cette Coupe du Monde. Dans l'absolu, j'ai bien dit dans l'absolu, j'apprécie les performances sportives. Celles et ceux qui me suivent sur un certain autre réseau social savent que j'y poste de temps en temps des photos de moi après une séance de sport.
pense que pour les streamers, il y a du public potentiel. Après, il faut voir les horaires. Hein. Faut voir les horaires de diffusion. Et après, c'est pas forcément... c'est pas déconnant d'avoir un événement... Ça pourrait être une idée, mais faut voir à quel moment. J'ai un physique d'informaticien. Précise. Sébastien, tu dis il y a 2 heures de décalage. Je t'avoue que... Alors, c'est même pas forcément une question des heures de décalage entre la retransmission des matchs, enfin, du coup, l'heure à laquelle ça démarre là-bas et l'heure à laquelle ça démarrerait ici. Mais moi, aujourd'hui, si je stream, on va dire les jeudis et les dimanches, c'est pour des questions de disponibilité déjà d'une, et d'autres de disponibilité par rapport d'autres streamers que vous pourriez avoir envie de regarder. Typiquement, j'essaye d'éviter de streamer en même temps que Yorzian, que Ymil, que Rancune, dans la mesure du possible. Je sais que, je vais pas dire qu'on se consulte quand on va changer nos horaires de stream, mais j'ai l'impression qu'on a une sorte de gentleman's agreement entre certaines personnes, en mode, bon, on essaye quand c'est possible, et quand c'est pas possible, bah c'est pas grave, de pas être en même temps. D'autres streamers qui nous auraient envie... Bon, alors, pendant le Slack, c'est gentil, mais là, tu t'en fais peut-être un petit peu trop. Mais c'est gentil, merci. Non, c'est gentil, ça, Rancune, merci. Pour la Coupe du Monde... Ok, je terminerai pas la phrase. Ce que j'étais en train de me dire... D'accord, ok, donc en gros, il y a une archive, zip ou targz, avec, du coup, j'imagine, les binaires précompilés. C'est une manière de faire les choses. Je suis pas un grand fan. Je sais pas trop ce que ça contient. On va bien voir. Hein. Mais on va peut-être se lancer, hein, parce que ça fait déjà bien... Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Ça fait 25 minutes que j'ai commencé l'enregistrement. Donc, on va lancer le biniou. Hein. Allez, on va lancer le biniou. The Vengeur, il est partant aussi pour Pluto Asgard. Mais à vrai dire, j'allais dire que sinon on va finir par copier les... Non, c'est pas ça que je voulais. Je vais faire copier ici et aller ici dans SSH. Et on va se connecter sur 192.168.0.54 si j'ai bonne mémoire. Voilà. Route ? Non, pas route. Hop. Voilà. Tac. Est-ce qu'il y a un TMUX là-dedans? Non, il n'y a pas TMUX. Sudo apt update. Allez. Sudo apt-y install TMUX. Comme ça. Oh, bah punaise. Bon, allez, hop. On va passer route tout de suite. Ah bah non, pas sudo. Les réflexes, vous savez, la mémoire musculaire, c'est assez fou. Hop. Mais je pensais plus à faire des intros de la taille des mille, en fait, à la base, quand on était en mode en train de parler d'éventuellement un événement, on va dire un événement dissident, contestataire vis-à-vis de certains événements télévisuels. Alors, allons-y. Curl, pipe SH, paf. Ah bah oui, allez, apt-y. Bon, install, allez, on va dire sudo, curl, wget, rsync, hop. Alors effectivement, The Vengeur, j'ai fait une install avec l'ISO. J'ai un peu... Il y a des fois, il faudrait que j'essaye de m'habituer un peu plus aux images cloud, effectivement. Après tout, j'ai montré que c'était possible dans d'autres streams. Alors, c'est reparti.
Donc effectivement, il a téléchargé une archive. Il a un pack, ok. Ok, donc ça c'est fait, il n'y a plus qu'à aller se connecter sur cette interface-là. Copier le lien. Hop. Donc ça a été pour le moins assez rapide. Et une IPv6 locale, ok, soit, ça peut marcher. Systemd, ok. Sudo opt adguardom-est, ok. Et il y a même un install, ok. Donc ça va assez vite. Welcome to adguardom. Alors, allons-y. All interface, moi ça m'a l'air pas mal. Listen DNS server, bah écoute, all interface aussi, c'est très bien. De toute façon, effectivement, j'ai une IP statique, je l'ai configurée en statique. Username, Nils. Password, bah password, c'est pas mal. Voilà, next. Bon allez, save, de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, l'histoire de la phrase du Saman Touchune, oui, c'était Jacques Chirac. Enfin, en tout cas, moi, j'ai le souvenir que c'était effectivement Chirac. Pop, 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 pom. Ouais, on va finir par faire un bingo des... un bingo des... comment dire, des petites... des petites phrases et des petits tocs de langage. Tics de langage, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? Pour commencer à utiliser AdguardHome, il faudrait configurer... Hop, on va zoomer un peu pour vous. Configurer les périphériques pour l'utiliser. AdguardHome DNS Server, ouais, ça écoute. Alors... Pour info, chez Chaos, c'est pif paf pouf. Et Rancune qui est fan du mug. Ouais, le fameux mug pour ne pas oublier de lire la documentation. Voilà. Read the fine manual. Et j'insiste sur fine. Parce que chez moi, on surveille le langage. Enfin, on essaye. Eh bah oui, je suis comme ça. Moi, je suis poli. En tout cas, j'essaye. Alors, pendant le slag, moi, la version que j'ai entendue, c'est que avant, c'était Read the Fine Manual. Et puis ensuite, eh ben, y a des gens, quand ils en avaient marre qu'on leur pose des questions qui étaient dans le manuel, ils se sont mis à devenir énervés. Et quand tu es énervé, tu surveilles un peu moins ton langage. Et du coup, tu passes un autre mot en F, visiblement. Mais j'ai envie de dire, la légende... La légende est peut-être autre. Mets un sub dans la boîte à gros mots. C'est gentil ça, merci Rancune. Ah bah tiens d'ailleurs, hop. Bah merci beaucoup Rancune d'avoir offert un sub tier 1 à Sac à Poil. Donc Sac à Poil, si t'es dans le, bah, t'es dans le coin, je suppose. Tu peux remercier Rancune. Et Rancune, je te remercie. Encore pour ta générosité. J'ai même pas fait gaffe, j'ai même pas le... il est où le compteur Parce que t'en es quand même rancune à 4. 4 offerts, 4 subs offerts, ce qui est pas mal. Enfin, ce qui est même très bien, en fait. C'est franchement, ta générosité me touche. Hop. Et pendant ce temps, pendant ce lag... ouais, voilà, c'est ça. Read the fine, et puis à la fin, c'est... Alors, ce setup va couvrir automatiquement tous les périphériques connectés à votre routeur à la maison. Pas besoin de les configurer. Ah oui, d'accord, c'est parce qu'en fait, je peux faire ça, je peux faire Windows, et ouais, il indique en fait, il indique la documentation en me disant « Et au fait, si tu veux changer toi-même le serveur DNS. » Ok, c'est cool ça. Clique the Apple icon. Alors moi j'aurais peut-être dit the Apple icon on the top left corner. Une autre... mais c'est juste moi qui chipote. Hein. Et
d'ailleurs, salut à toi, Sac à Poil, bienvenue sur le stream. Ok, donc Android. iOS. Alors franchement, Android et iOS, je dirais il vaut mieux laisser faire le routeur. Hein. DNS privacy. Ok, donc on va aller voir ça, hein. Moi ça me va. Hop, open dashboard. Donc pour le moment, forcément, le dashboard, il va être un peu tout vide. Il va être un peu tout vide parce que pour le moment, en fait, ben, je n'ai pas configuré effectivement dans le routeur l'adresse du DNS. Donc forcément, il n'y a rien. Ceci étant dit, ce que je voudrais voir, c'est dans les settings, hein, général settings. Donc il fait des mises à jour de son filtre. D'accord, il propose des systèmes de blocage avec du safe search, de la log... Alors, ça c'est cool qu'il fasse notamment un clear des logs. Ça c'est cool, anonymiser. Bon, ça on l'a vu, on a la même chose dans Payol. On n'échappera pas à la comparaison, pardon. J'allais dire la conversation, mais non, la comparaison. Sur le query logs retention, personnellement, j'aurais peut-être plus mis un champ pour vraiment customiser ça. Parce que 90 jours, alors autant pour soi à la maison, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais il y a peut-être des gens qui veulent garder les logs un peu plus longtemps. Ou alors vous me direz, dans ce cas-là, bah, ils ont qu'à balancer dans un syslog. Sur les livebox, c'est impossible de changer les DNS. Alors attends, Xavier, tu veux dire que sur une livebox, tu peux, dans les paramètres DHCP, tu peux pas dire vas-y, utilise un autre DNS. Et oui, The Vengeur, ça s'appelle AdGuard Home, donc c'est somme toute assez logique. Donc là. Ok. Alors moi, ce que je vais... Oh, je vais laisser comme ça pour le moment. Load balancing, parallel request. Ok, et il propose de faire effectivement du... Ok, donc on peut quand même mettre ses propres trucs. C'est un peu dommage, ça, Xavier. Mais j'imagine que... Enfin, c'est dommage. C'est dommage de la part d'Orange de ne pas laisser changer ce paramètre. Moi, je sais que j'avais eu des soucis. J'avais eu une blague chez Bouygues Télécom, en gros. C'est-à-dire qu'en fait, hein, j'avais voulu même carrément désactiver le serveur DHCP de la B-Box et mettre le mien, en fait. D'avoir mon propre... Enfin, j'avais mon propre serveur DHCP sur mon réseau local à une époque. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que si je désactivais le serveur DHCP de la B-Box, en fait, le serveur DHCP faisait aussi office de client DHCP pour que la B-Box récupère son IP public. Et c'était un peu gênant. Et en plus, je sais plus pour quelle raison, vu que j'avais deux boîtiers, donc un boîtier télé et un boîtier connexion réseau. Et en fait... je sais plus pourquoi, mais il fallait que le boîtier télé, il récupère son IP depuis le DHCP de la B-Box. Donc c'était assez, assez particulier comme setup. J'avais fini par laisser le DHCP de la B-Box activé. Et j'avais récupéré l'adresse MAC de la B-Box TV. Et j'avais dit au serveur DHCP, tu n'attribues qu'une seule IP. Et tu l'attribues à cette adresse MAC là. Les autres, tu ne réponds pas. J'avais réussi plus ou moins à faire quelques manips plus ou moins hasardeuses dans la conf de la B-Box pour ça. Et ensuite, j'avais mon propre serveur DHCP qui répondait au reste des requêtes, mais qui ne répondait pas aux requêtes de la B-Box, par précaution, de la B-Box TV, je veux dire. Donc c'était assez... comment dire ? Particulier, casse-pied, beaucoup de contournements pour pas grand-chose.
Enfin bref. Et à l'époque, c'était même pas pour mettre du paywall ou du AdGuard, c'était juste parce que je voulais pouvoir, sur mon serveur DHCP, mettre des options particulières, notamment donner un serveur TFTP pour faire du boot PXE. Alors, qu'est-ce que ça raconte pendant ce temps? Pas de changement DNS qui récupère les courriers pour faire des stats. Alors, Fabou, le but c'est juste de voir les différences. Hein. Je prends pas parti. Donc, si t'as un paillot à la maison et que t'en es content, va pas commencer à changer juste parce que tu l'as vu sur ma chaîne. Hein. Mais après, si ça te fait plaisir, fonce. C'est ton setup, pas le mien. mauvaise blague, ouais, le coup du DHCP. Mais je crois que ça a été corrigé ensuite sur cette version de la Bbox. Eux, c'est moi qui nous dit qu'il va se mettre une box perso derrière la livebox. Ouais, je peux comprendre. Même problème chez Orange avec le DHCP et le décodeur TV. Ah, ok, je vois. Oui, le paywall peut faire serveur DHCP, tout à fait. Je ne l'ai juste pas activé ici dans notre cas de la dernière fois. J'imagine d'ailleurs aussi que le AdGuard peut faire DHCP, hein. On a quoi? On a settings. On a quoi? Bah voilà, on a DHCP settings. Donc voilà, et là il n'est pas activé. Je l'active pas, je laisse le routeur que j'ai. Pas de soucis pendant ce lag, bonne fin de live. Tu pourras normalement, si j'ai pas des soucis comme la semaine dernière, tu pourras revoir le live en VOD sur Twitch. Dans les box grand public, il y a rarement l'option Nextop pour faire du PXE. Oui, en effet. Et Sébastux qui a mis un paywall sur sa Freebox et le boîtier TV et THS. T'as dû remettre les DNS free. Ah ouais, ok. La boîte de mouchoirs sur le canapé est proche de tomber. Non, ça va, il y a encore de la marge, t'inquiète. C'est gentil, merci. Alors. Où est-ce que j'en étais, moi? Il est où, mon AdGuard? Bah, en fait, il est là. Voilà. Et à la base, dans les settings. Ouais, donc en gros, ce qui a l'air d'être assez cool, c'est qu'il va même proposer de faire du DNS over HTTPS, on dirait. Enfin, du DOH. Bon, encore merci pour l'info pendant le slack. Merci. Alors. Et là, il a ses propres DNS, ouais, pour au moins fonctionner. On va les laisser comme ça pour le moment. Je vais pas m'embêter la vie. Et on peut même faire un test. Ah, on peut tester aussi. Ok, ça c'est cool. Donc, je vais peut-être aller changer moi de mon côté, enfin de mon côté, sur le routeur. Alors, hop, on va revenir ici. Là, je me suis connecté directement sur le VIOS. Donc, petit rappel. Ah oui, c'est vrai que j'avais paumé le schéma. Donc, en fait, j'ai mis un VIOS en tant que box. Sur ce réseau, et qui est en fait la box VIOS, en fait, elle est reliée à deux sous-réseaux, puisque l'idée c'était d'avoir un deuxième sous-réseau, d'avoir forcément du routage pour pouvoir tester le PyVPN. Je pense pas qu'on refera du PyVPN ce soir, mais voilà, c'est juste que ici on est en mode. On est en mode de configuration. Donc, configure, hop. Et si je fais. Alors, je vais peut-être sortir du mode de configuration. Je vais faire un show configuration, justement. Hop. Et on peut voir que actuellement. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, ici. Forwarding. Ah non, tiens, j'ai mis le paywall en DHCP. Ah, j'ai mis le paywall en DHCP, tiens. On va aller vérifier ça. Alors, query log. De toute façon, il est toujours dispo là, lui. Ah ben non. Don't save. Tools. Non. Client. Local DNS. DNS record. Settings. DHCP. Et oui, le DHCP est activé. Mais on doit pouvoir lui dire. Ah non, on peut même pas lui dire. Du coup, vu que le DHCP est activé, il part du principe que c'est lui. Que c'est lui le. Donc, bah, ce qu'on va pouvoir faire, en fait, c'est qu'on va peut-être pas se casser la tête. Hein. On va activer le DHCP sur AdGuard et puis on va le désactiver sur le paywall. Et puis ensuite, je pense qu'on va rebooter tout le petit monde.
On peut le modifier dans le TC DNS Mask. Ouais, mais alors je vais peut-être pas commencer à aller éditer des trucs à la rage dans. Hein, remarque DNS ici, qu'est-ce qu'il dit? Allez, upstream. Alors, je pourrais utiliser AdGuard comme upstream de Payol. Non, non, mauvaise idée, mauvaise idée. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Donc, DHCP. Hop, on va revenir ici. Settings, DHCP. Donc, on va hop, sur l'interface ici. Enable. La gateway, c'est bien 0.1, effectivement. Et on va faire depuis 100 à 254. Ouais, bon, allez, hop, 254. Ah, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Hop, reviens. Alors, où est-ce que j'en étais? Sélectionner. Gateway IP. Je vais peut-être les mettre, du coup. 0.1. Le netmask était effectivement en 3 fois 255. Hop. Ah, je me suis trompé dans le... Hop. Hop, on va sauvegarder la configuration. Et on peut mettre des listes statiques. C'est cool. On va peut-être essayer de mettre les mêmes. Ne serait-ce que déjà pour que mon client ait la même IP. Hop. Youhou. Il est où là? Est-ce qu'il faudrait que je le enable, peut-être? C'est bizarre ça, pourtant j'avais sauvé la conf. J'avais sauvé la conf, on est d'accord. Bon, alors de toute façon j'ai déjà une IP, donc là à la limite, je vais lui dire chut. Pas sûr qu'il faille pas, non, c'est pas indiqué pour sauvegarder la conf. Bon, ça par contre effectivement c'est un peu dommage. Hop, ensuite ici, est-ce qu'il va me trouver un DHCP? D'accord. Bah alors. C'est bizarre, j'arrive pas à activer le serveur DHCP. Bon après je sais que je peux réactiver éventuellement celui de la box, hein, mais... Je vous avoue que là, je trouve ça un peu dommage. Je sais pas s'il y a un souci particulier. Je sais pas si c'est moi qui ai un souci, mais bon, a priori, j'ai un navigateur, on va dire lambda. J'ai la dernière version du Binou, je sais pas s'il y a eu un... J'ai pas envie de dire je sais pas s'il y a eu un bug, parce que j'ai pas envie de commencer à accuser le projet, alors que si ça se trouve, c'est moi qui fais mal un truc. À moins qu'il faille... Mais pourtant, j'avais... Il faut configurer puis enable. Je suppose que ça c'est indiqué dans la documentation que je n'ai pas lu. Save config, enable, il se passe rien. Non, parce que quand je clique sur save configuration, moi je vois rien, il y a aucun retour qui me dit au fait c'est fait. Assistance, non attends, c'était où sur leur site? Mais est-ce qu'ils ont Getting Started? Installation, First Start.
Updating, configuring device, configuration. Voilà. En tant que DHCP. Alors. Donc a priori, voilà, il y a un truc pour la configuration. Command line arguments, configuring upstream. Ouais, non, c'est pas ça qui m'intéresse. Ouais, en fait, j'étais déjà, quoi. Dans la config... Non. Il faut configurer puis enable RTFM. Ouais. Mais je veux bien, mais maintenant que j'ai fait ça et que je clique sur enable, il se passe rien. Le truc me dit qu'il est à on. Le dashboard, il dit quoi? Il donne juste les... Ok. Setup guide. Bon, bah ça, c'est juste... Ouais, donc il me fait revenir ici. Ça, de toute façon, le check pour... Ah bah, il clique même plus, dis donc. Ah, là, par contre, il clique. Ok, donc en gros leur DHCP ne fonctionne pas. Moi ce que je vais faire c'est que je vais activer un DHCP sur le routeur VIOS. Et a priori on va faire show configuration service. Non ça passe pas, ok. Alors. Ah mais Alain, je n'en doute pas un seul instant. Peut-être que, je sais pas, j'ai peut-être un souci de mon côté, mais j'avoue que là, comme ça, je ne vois pas. J'ai aucun retour visuel, donc je ne sais pas trop comment débugger le truc. Je vais me copier-coller ça d'un côté. Mais un client pour voir. C'est-à-dire Fabou. Tu veux que genre que je reboote une machine pour voir si elle récupère une IP? Oh bah Sébastien, tu sais, les faits démo. Ici, j'ai l'habitude. Pourquoi pas, écoute, on a... Bah tiens, on a la machine Ubuntu. On a la machine Ubuntu, hop. Si elle veut bien. Voilà. Hop. Alors, le réseau. Wired settings. Donc, il me dit quoi? Qu'il est connecté. Il me dit qu'il a une IP, nanana, et que le DNS est 0.53, ce qui veut dire qu'en gros, il est sur le paywall. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déconnecter ça. Donc là, il n'y a plus d'IP normalement. Voilà. Et on va le connecter. Et il me redit connected. Ah non, il y a un petit point d'interrogation là-bas. Oui, mais il a gardé le... Non. Si, il l'a gardé. Hop. Alors, est-ce que j'aurais... Non, bah non, le truc, il disait que c'était safe. Donc, j'avais bien désactivé le DHCP. Alors, ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va faire un petit IP link set down EN... Hop. Mais non, ça, je m'en fiche. Plus tard. Voilà. Donc là, force... Ah, mais elle est down, mais j'ai quand même mis l'IP. Donc, si je refais un set up de ça.
Il a dû garder le truc. On va faire un truc vraiment moche. On va faire celui du reboot. On va bien voir. Alors, pendant ce temps, je vais peut-être mettre... Ah oui, si, ça y est, ça démarre. Hop. La question, c'est, est-ce que ça va démarrer? Si, ça démarre. Hop là. Alors là, je vois déjà le petit point d'interrogation. Alors, j'aurais pu chercher hein, les trucs avec comment essayer de lui faire vider... l'empreinte de l'adresse IP, mais faire un map sur l'Edgeguard, ça peut être une idée aussi. Hop. Donc là, je sais pas pourquoi il me remet ça alors qu'il me dit. Il m'a gardé les infos, hein. Bien en automatique. Je sais même plus dans quel endroit il a gardé les infos du bail. C'est pratique, hein. Il s'est connecté. Il s'est connecté. Il s'est connecté à quoi? Non, il y a toujours 53 en... chelou cette affaire. Je pensais l'avoir désactivé. Donc il est toujours activé et l'autre le trouve pas. Ah mais attends, j'ai... Voilà, il est là le save en bas. Voilà. Voilà. Maintenant il est désactivé. Allez, on se déconnecte. On se reconnecte. Et là, voilà. Connecting, connecting, connecting. Et là, j'ai rien. Voilà. Donc maintenant, toi, là-bas, si tu refais un check, il va me dire tout va bien. Voilà. Et c'est pas mieux. C'est pas mieux. Bon, je vais vraiment aller sur le... Sur le VaiOS, je voulais juste mettre un list time. Ah, tu penses que c'est le... Ah, ici. Eh ben, allez, 8, 6, 4, 0, 0. D'accord, en fait, il propose des valeurs par défaut et faut les remplir. Ça, alors ça, que les choses soient très claires, j'aime pas. J'aime pas. Je suis vraiment pas fan. Enfin, à un moment, si on veut le truc par défaut et que tu l'affiches, enfin, même s'il est grisé, enfin, ou alors tu ne le grises pas, enfin. Voilà, DHCP server enable. Allez, on peut ajouter un list statique. Ah bah du coup, il les a tous paumés. C'est pas grave. C'est pas grave. On peut faire ça. On récupère ici la MAC adresse. Hop. À la limite, les autres, c'est pas très très grave. Hein. Hop. Et là, on va mettre client PC Fedora. Enter hostname. Bah, ah non, c'est une IP. D'accord. 168.0.100. Hop. Et là, Fedora-client. Allez. Save. Bim. Alors Sébastux, c'était le flush. Ah oui, le flush. Attends, resolve. Systemd, resolve. Juste pour vraiment vider tout ce qui est IP. Étoile, placeholder en HTML. Ouais. Non, mais voilà, là, je suis pas fan niveau interface. C'est pas mon kiff. Mais bon. Je suppose qu'ils ont... Enfin, je dois peut-être être le seul à pas être câblé comme il faut. C'est peut-être ma faute, hein. Donc, maintenant que ça c'est fait, tiens, ce que je vais faire aussi maintenant, c'est regarder lui à quoi il s'est connecté finalement.
Ah bah il a pris la 100. Allez hop, sudo au reboot. Parce que s'il a pris la 100 aussi, il y a config IP là sur le réseau. Voilà, je crois que j'ai fait une bêtise. Il veut plus le réactiver. Ah, je vais éteindre celui-là. Hein. Je vais l'éteindre parce que je sens, ça sent le. Ah, le petit conflit d'adresse IP sur le réseau. Ça faisait longtemps, tiens, que j'avais pas eu un. Ça, de toute façon, c'est bon. Allez. Mais non, mais genre, je vais pas le relancer. Zut, j'ai cliqué deux fois dessus. Ok, DHCP server enable. Ok. Ah, donc je suis pas le seul à trouver que c'est que ça porte à confusion. Dis, t'as l'air d'être d'accord avec moi. Ça me rassure, je me sens moins seul. Je prétends pas que j'ai raison, hein, mais je me sens moins seul. Alors. Ok, merci, merci, dis-je. Pop. Bon, bah, jamais 203, visiblement. Donc. Allez. Ça, c'est le client, hein, ça, on s'en fiche. Et donc, je disais, il est passé où mon Ubuntu, voilà. Il y en a qui sont allés voir la vidéo de Network Chuck sur AdGuard. Pendant qu'on démarre la Ubuntu. Juste pour savoir si vous vous êtes déjà... Enfin... Hop, alors... Oui, on est d'accord, Alain, dans ce cas-là, ils auraient pu faire exemple, ouais. Un conflit d'IP, deux imprimantes avec la même adresse MAC. Ouch. Alors, j'ai du mal à comprendre comment deux imprimantes... comment ça a pu arriver. C'est deux imprimantes du même fabricant, de même modèle. Je suis curieux, là. Sébastux, franchement... Ça a l'air d'être croustillant comme histoire, ça m'intéresse. Alors, firmware copier-coller, des imprimantes à aiguille. Ok. Bah Epsilon, ouais, c'est ce que je suis en train de me dire avec le firmware, des fois qui peut avoir effectivement le même, la même adresse MAC en mode bourrin. Ok, cette fois-ci, il est 101. Et si je change Resolve CTL, on a bien la 0.54. Donc, à partir de maintenant, si je fais un petit sudo, genre un petit sudo apt update, on doit commencer à avoir du DNS. Hop, on va aller voir le dashboard. Hop, voilà, ça y est. Donc, on a du truc. On peut comparer, du coup, avec Payol. Enfin, hop. On va les mettre l'un à côté de l'autre. Et donc, si je reviens sur le dashboard du Payol, où on avait... Voilà, on a... Bon, on retrouve les mêmes trucs. Hein. Là, on a les requêtes avec le pourcentage. Voilà. On a eu rien de bloqué. Le truc propose même d'aller faire du blocage, effectivement, malware... site pour adultes, safe search, ce genre de choses là, ok. Donc là forcément une connectivity check Ubuntu, ok, bon. Jusque là tout va bien. On va aller rire un peu. Vous savez, la semaine dernière, je vous avais montré une machine Windows avec toute la télémétrie activée, ou presque. Donc on va faire pareil, on va le redémarrer. Alors, Alain, tu as déjà eu des AS400.
Avec des adresses MAC identiques, ça met bien le souk dans le réseau, même sans DHCP. Ah bah oui, carrément, même sans DHCP, oui. Quand il faut... oui. C'est « Bonjour, c'est moi !» Et à côté « Non, c'est moi !» Et en face « Non, c'est moi !» Il y avait des drivers comme ça sous Linux avec une Mac par défaut. Ils avaient économisé sur les proms de certaines cartes réseau. Oh, punaise. Je suis content de pas avoir croisé ce genre de truc. Alors, Fabou, j'aurais pas dit préhistoire, j'aurais dit histoire. Et effectivement, Epsilon, l'imprimante, n'a peut-être pas des proms pour la Mac. Ouais, mais quand même, c'est... Enfin... Ceci étant, quand on y pense, cette histoire d'adresse Mac... Enfin, je réfléchis, enfin, je parle en même temps que je réfléchis, mais... quand on a... Enfin, quand on voit les tailles possibles d'adresse Mac... Est-ce qu'on risque pas d'avoir un jour la même problématique qu'avec l'adressage IP ? Enfin, est-ce qu'on risque pas un jour d'avoir des soucis de... Alors vous me direz, il y a moins le problème, vu que c'est vu que beaucoup d'ordinateurs sont dans des réseaux locaux, et que de toute façon le routage, enfin les passages par des routeurs font qu'on dialogue pas... L'adresse MAC de mon ordinateur ici ne dialogue pas directement avec Twitch ou avec vous, par exemple. Mais je me pose la question de est-ce qu'à un moment, on va pas se retrouver... ou alors, peut-être les constructeurs ont déjà commencé à faire boucler leurs adresses MAC. Parce que je pense qu'un Intel, il doit fabriquer de la carte réseau à tout va. Donc, à mon avis, au bout d'un moment, il doit arriver au bout de tous ses ranges. Un Realtek, j'ose pas imaginer... Enfin, voilà. Alors, dans ton cas, les imprimantes à aiguille étaient neuves, c'était pour des raisons légales. Les documents électroniques n'étaient pas autorisés. Ah. Et ces discussions t'ont fait penser, dis-je, à configurer le nouveau réseau sur ton imprimante. Les constructeurs recyclent déjà pas mal, mais le problème supposerait des réseaux locaux monstrueux. Ok, rancune. Ok, je vois. Donc, c'est effectivement ce genre de choses-là, c'est à la limite... C'est déjà recyclé et on le voit pas parce que le problème se pose pas, en fait. Le problème n'arrive pas. Ou pas souvent. Ou dans les cas où ça arrive, on peut normalement aller aller mettre une autre adresse MAC de façon administrative sur la carte réseau. Alors... qu'est-ce que tu me dis, toi, les settings ? Automatique, il est passé sur la 0.54. Donc, on doit avoir vu passer... Hop, si on rafraîchit. ...64.4 DNS. Qu'est-ce qu'on a dans le... Donc oui, forcément, là, il y a le client. Ah ouais, d'accord, je croyais qu'il allait rafraîchir que cette partie-là. Login.live. Je me suis pas connecté sur live. Bing. Mais je suis pas... Ah, mais en fait, si. API MSN. Ouais, non, mais je crois que je sais pourquoi, en fait. C'est qu'en fait, par défaut, voilà, il y a le truc là, ici, avec la météo. Hop, et là, tout de suite, il va me chercher plein de trucs. Là, il va m'afficher plein de pages web, voilà. Et puis là, il avait un truc tout à l'heure. Donc, ok. Et puis, ça, plus potentiellement de la télémétrie. Eh, c'est bavard, quand même. Enfin, on l'avait déjà vu la semaine dernière, mais c'est bavard, hein, Windows 10. OCSPdigicert.com. Et qui c'est qui est allé regarder ça ? Et c'est le desktop. Bah, c'est le Windows. Ok. Ok. Donc il fait les vérifications des certificats sur avec OCSP. Ok. Amazon Trust. Ok. Ah, c'est marrant, hein, c'est bavard. Voilà. Bon, en tout cas, c'est cool, ça. Une fois qu'on l'a compris pour le DHCP, et ben. Ah, il a bloqué un truc. Il a bloqué au moins un truc de chez. Il l'a bloqué, tiens. C'est étonnant. Et pourquoi il l'a bloqué ? À cause du filtre DNS, ok. Oui, tout à fait Paradoxe. Le répondeur qui permet de vérifier que le certificat est bien valide.
Alors, Sébastux, les concepteurs d'Ethernet ayant utilisé un adressage de 48 bits, il existe potentiellement 281 000 milliards d'adresses MAC possibles. L'I3E donne des préfixes de 24 bits appelés Organizationally Unique Identifier, OUI, aux fabricants, ce qui offre 224, j'imagine 224 bits, non, environ 16 millions d'adresses MAC disponibles par préfixe. Ok. Je ne sais pas combien de millions d'ordinateurs personnels il y a aujourd'hui dans le monde, mais j'imagine que un Intel ou un Realtek, les 16 millions, il a dû les passer. Il a dû les passer. Parce que si je regarde moi sur bah tiens, si je regarde sur mon PC ici, si je fais un petit IPA. J'avais pas un truc. Hop. Genre un Mac to vendor. Hop. Voilà. Et si je lui dis. Si je lui dis d'aller chercher celle-ci. Hop. Voilà, donc ça c'est. Ah, c'est carrément MSI qui. C'est carrément au niveau de MSI. Tiens, c'est marrant ça. Pourtant, si je fais un petit. Si je fais un. Non. Un LS mode. Non, je sais pas si ça va le faire. Parce que du coup, j'ai deux mémoires. Alors, remarque, je peux faire un LSPCI, ça va aller plus vite. J'ai donc normalement des cartes réseau. Voilà, c'est ça. Donc ici, on a un contrôleur de chez Realtek. Et je dois avoir. Je dois avoir du Broadcom qui traîne quelque part, mais je les vois pas. Parce que dans cette machine-là, j'ai deux cartes d'IG, en fait. Et je les vois pas sur le LSPCI, elles sont où? Ifconfig-up, upgrade ether. Ifconfig? Ah si, je l'ai encore. Mais en fait, oui, non mais ça, j'ai les... Il y a les MAC adresses. Tiens, d'ailleurs, il y en a 4. Marrant. Ah oui, il y en a 4, oui, logique, parce que de toute façon, il y a libvirt aussi qui est dessus, et du coup, il a une interface virtuelle. Mais ce qui me choque... Tiens, on va essayer... À mon avis, les 52, ça doit être les Broadcom. LAA. Je sais pas qui c'est. Ah non, ça c'est le code vendeur. Ok. Et l'autre, macadresse.io, on va essayer. Macadresse.io. Hop. Search. Pas de détails. Ok. Oui, c'est valide, mais. Ah si, administration type, LAA. Wireshark note. Realtek, uptake also reported. Ok. Celle-ci. MicroStar International. Bon, bah ça, vous savez que j'ai une carte. Voilà, comme ça, vous savez que j'ai une carte au mère ici. Mais. Ok, donc MSI a son range d'adresse MAC. Je le savais même pas. Je pensais qu'ils allaient utiliser les adresses MAC des vendeurs. Et la 5AFF, c'est quoi? Ok. Bon, ok, soit. Je pense que de toute façon, je les utilisais pas, donc elles sont désactivées. Quoique.
Quoique si je fais un hyperlink... Ouais, non, il n'y a que celle-ci. Ouais, mais pour le coup, c'est... j'ai pas d'interface Wi-Fi. J'ai... Ah, mais j'ai rebooté, c'est pour ça. J'ai, en fait, j'ai une petite blague. J'ai une petite blague avec cette machine. Vous avez pu le voir dans le... je vais remettre le NeoFetch. Vous avez pu voir que j'ai mis un Xeon sur cette machine. J'ai mis un Xeon et en fait, bizarrement, si j'éteins la machine et que je la rallume, il va correctement initialiser les cartes. Et si je fais un reboot, parce que j'ai fait un reboot parce que j'ai un petit souci de webcam. Et là, il refait pas la détection complète. Ok, donc je pourrais pas vous montrer ça. Revenons à notre AdGuard. Revenons à notre AdGuard. La question que je me pose, c'est, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme filtre? Hop là. Alors, il nous propose un filtre DNS qui contient 51 000 règles. On était avec quoi sur Payol? On avait un AdList, ouais. Alors non Yoda, non Yoda. Yoda, il n'y a pas une 3070 Ti dans le serveur. La 3070 Ti, c'est la machine de stream. C'est la machine de stream. La machine qui fait tourner le lab. Hop, c'est Pablo de ouf, c'est Marvin. Et il y a juste une 1070 dedans. Il y a juste une 1070. Voilà. Et encore, elle fait pas grand chose en ce moment. Mais je pense que tu vas quand même pleurer parce que oui, il y a une 1070 qui... bref. Toujours est-il que... voilà, il y a quand même une 1070, ça je l'attendais. Alors... Hop... où est-ce que j'en étais, moi? Je voulais voir s'ils indiquaient les listes... Ah oui, c'est vrai qu'on avait rajouté celle de la télémétrie Windows. Et il y avait celui-ci. Mais ils disent pas combien il y a de... Ok, donc pourquoi pas. Ça date un peu, il te semble. De quoi? De quoi, Epsilon, qui te semble daté? Et sinon, il y a un default blocklist... Et donc ça vient de chez... Ah oui, adguardteam.github.io. Ah, la 1070? Oui, ça a maintenant 4 ans, je crois. Elle est sortie en 2000... Non, peut-être même un peu plus. C'est sorti en 2016, les séries 1000 de chez Nvidia. Hop. Ah, ça a 6 ans maintenant. Architecture de carte graphique Pascal, voilà, 1070, et c'est sorti en 2016, ok. Mais pour le coup, là, c'est moi j'ai juste une 1070, pas une 1070 Ti, ce qui est déjà pas mal, en fait. Ouais, et c'est quoi la différence entre la 1070 et la 1070 Ti? J'ai moins de cœur CUDA, moins d'unités de texture, bon, j'ai autant de mémoire... La fréquence mémoire est la même. L'enveloppe thermique est légèrement plus faible. Ouais. Ah, j'ai quand même 2 teraflops de moins en calcul. Ouais, bon. Honnêtement, ça va, quoi. Après, je suis pas sûr qu'il y ait forcément une énorme différence... une énorme différence peut-être entre une 960 et une 1070. Hein. La 1070 Ti, c'est pas une 1080 recyclée. Bonne question, tiens. On va faire un petit aparté là. Non, c'est pas ici, c'est là. La 1080 GP104 400, bah, elle est dans les mêmes trucs. Ah, on est à la même fréquence de base. Il y a moins de cœur CUDA. Mais ouais, effectivement, la 1070 Ti, c'est... oui, effectivement, on n'est pas loin des... Euh...
Effectivement. En gros, c'est probablement une 1080 qui a pas passé les tests pour être validée comme 1080. Voilà. Bref, revenons à nos moutons. Je sais pas ce que vaut cette liste-là. Hop, qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Blocking mobile ad providers and some analytics providers. Ok. Bon, allez, tiens, on va l'activer, on va rigoler. On verra bien. Il va peut-être me bloquer plus de trucs. Hop, check for update. Et bim, une liste mise à jour. Ok. Ouais, il y a quand même 7000. Ça a l'air d'être quand même. Alors, si je regarde par rapport. Ouais, non, ça se vaut hein, pour rajouter une liste. Voilà, je rajoute mon truc là. Donc, je pourrais même faire ça. Copier le lien. Je fais ici ajouter une blocklist. Choose from the list. Il propose des. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. Windows Spy Blocker. Alors. J'ai une idée à la con. J'ai une idée à la con. Hop. On va tout activer. On va voir si on arrive encore à surfer sur le net. Bon, à mon avis, les listes coréennes, chinoises ou bon. Il n'y a pas de liste française, tiens. Hop. Voilà. Save. Voilà. Oh punaise. Ah tiens, il y en a une qui n'arrivait pas à récupérer. Liste coréenne a priori. Data is HTML, not plain text. Ah, dommage. C'est pas grave. Honnêtement, je pense que sur une liste. Hop, et a priori, tout a été du coup téléchargé et mis à jour. Tiens, qui c'est qui fait le compte de mes tics de langage? Parce qu'à mon avis, les du coup, ça doit aller un peu régulièrement aussi. Faut que je me calme là-dessus. Après les polopopom. Allez hop, rajoutez ça sur ma note. Ok, donc on a tout activé. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce qu'on va pouvoir aller surfer sur un site? J'avais pas un Windows? Si, j'avais un Windows. On va rigoler un peu. Est-ce que là il va m'afficher quelque chose ou il va m'a. Hop, allez, vas-y, cherche, cherche. Ah si, il m'affiche des choses quand même. Alors, je vais lancer Edge, le truc que je lance jamais, même sur un Windows. Sauf pour aller récupérer Firefox. Donc là déjà, il a dû me faire des petites requêtes pour aller récupérer tout ça. Donc ça doit être marrant de regarder là-dedans, dans le dashboard. Tu as au moins deux spams, plus 39 ou plus 41 par jour. Ah, ouais. Ah, plus 39 et plus 41, c'est les indicatifs téléphoniques. Et Sébastux qui nous propose. Est-ce que je peux faire le copier-coller là-dedans? Oui! Italie et tu sais plus. Ok. Landmore. 10 degrés to all. Voilà. Et puis de toute façon, on va aller utiliser ça. C'était quand ça? 2020. Première version de AdGuard 7.5 pour Windows. Ah oui, mais c'est qu'en fait, AdGuard, ils ont aussi des logiciels que tu installes sur un ordinateur, en fait, pour pouvoir ensuite effectivement bloquer les trucs. Ok. Mais là, du coup, enfin, et voilà encore un. Mais donc ici, pour le moment, on est plus en mode blocage DNS. On n'est pas sur vraiment une activité vraiment blocage, comment dire, plus poussée.
Alors, est-ce qu'il y a des choses qui ont été bloquées récemment? 19h20. Ouais, il a rebloqué des trucs, hein. Et du coup, il indique. Et donc, il indique les blocklists qui ont servi. Donc, il a quand même bloqué pas mal de choses. C'est un truc qui pourrait vous intéresser, ça, qu'on mette en place un proxy, par exemple. Et qu'on aille faire des tests de blocage de trafic avec un proxy. Donc plus un pour un proxy, ok. Proxy à la mano ou on va aller installer un truc du genre un PFSense, un OpenSense et puis on fait clic-clic. Je sens que faire clic-clic sur un OpenSense, ça va être vite vu en fait, hein. Ça risque d'être un peu. Parce qu'en fait, pour l'anecdote, j'ai de temps en temps, il m'arrive de vouloir le ressortir dans mes proxy en IAC. En IAC. C'est-à-dire en IAC, Sébastux. Et pendant ce temps, merci à toi, François43, pour le follow. Merci, c'est gentil. Hop. C'est qu'en fait, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir des vieilles tablettes en InfraScode. Ah, mais ah oui, alors sur les streams InfraScode, le proxy. Je sais pas trop si c'est forcément. On pourrait le commencer à la main. Et puis ensuite, on pourrait essayer de le refaire en InfraScode, effectivement. Mais donc, moi, j'ai des vieilles tablettes qui traînent. Ce qui est un peu embêtant, des fois, avec les vieilles versions d'OS, je sais pas si ça vous arrive, selon les tablettes que vous pouvez avoir, ou parfois même des vieux smartphones aussi. Parce que par exemple, j'ai aussi dans le genre vieux truc, j'ai aussi ce bon vieux Nexus 5 qui fonctionne encore, hein. Bon, hormis qu'il a légèrement pris un petit jetard sur l'écran, mais il fonctionne. Et son firmware d'origine, tiens, on va passer en mode blabla, hop, comme ça, voilà. Son firmware d'origine à ce téléphone. Maximum, c'est Android 6.0, ce qui est quand même assez vieux. Alors, grâce à LineageOS, j'ai pu le passer en Android 7.1 de façon entre guillemets officielle, c'est-à-dire que c'est le dernier build fait par le projet Lineage, mais ça reste quand même Android 7.1, donc on est quand même encore sur un truc assez vieux. Alors, je sais qu'il existe comment dire. Des gens qui font des ROM custom, toujours pour ce modèle de smartphone. Mais il y a quelques mois, peut-être même un an, j'avais vu passer. Alors oui, effectivement, Epsilon 3, faut avoir confiance après. Mais toujours est-il que là où je veux en venir, c'est que la problématique de ces appareils qui ont des versions d'OS un peu vieilles, c'est d'une part la version de TLS pour le faire du HTTPS qui est pas forcément. Enfin, aujourd'hui, c'est peut-être du TLS 1.2 qui est possible. Et ça passe donc encore. Tant que TLS 1.2 est toujours maintenu, mais toujours dans les recommandations. Mais il y a aussi la problématique des magasins de certificats qui ne sont pas mis à jour sur ces appareils. Et donc, imaginez aujourd'hui, on doit avoir, je sais pas moi, une quantité monumentale de certificats qui sont faits avec Let's Encrypt, et on en vient de fait à avoir des appareils, genre je sais plus sur lequel, je sais plus si c'était pour aller sur YouTube ou même pour aller sur mon propre site, sur anotherhomepage.org, sur cette tablette-là. Le truc me dit, au fait, je connais pas le certificat. Et donc, ce que je me disais, c'est que ça pourrait être assez amusant que je mette en place, que je regarde comment mettre en place un proxy. Alors, ça peut être du Squid, ça peut être autre chose, et de voir d'une part si ça ralentit pas trop le surf, et d'autre part si on peut se permettre comme ça d'avoir le proxy qui lui va faire une connexion
qui va faire sa connexion et qui donc va vérifier l'authenticité du certificat ou pas, mais qui pourrait quelque part faire un upgrade de la connexion, de la terminaison SSL pour l'appareil d'ancienne génération. De façon à ce que malgré tout, l'appareil d'ancienne génération soit un minimum, on va dire, protégé, si on peut encore dire ça. Tu te rappelles avoir utilisé un proxy SOX SSH pendant un moment. Alors là, je parle de proxy HTTP-HTTPS. Mais je ne sais pas si on peut faire du SOX SSH sur une tablette type iPad. Ou même sur Android d'ailleurs. Ah, remarque, Android, il y a des clients SSH. Tu me diras iOS aussi. Mais je pense que ce sera plus simple de gérer ça en HTTP, HTTPS. Ouais, Sébastux, ça m'a l'air pas mal. Voilà, ça peut être intéressant. Ok. Donc ça vous emballe comme idée. C'est cool. On va revenir, hop, ici. Alors. Donc on a bloqué plein de trucs et visiblement. D'accord, il y avait un truc LinkedIn bloqué. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est on va essayer différents sites web. Parce que là, non merci. Ce que je voudrais proposer, c'est qu'on essaye. Tiens, si je tente d'aller sur Facebook. Facebook.com. Est-ce que Facebook est bloqué? Non, Facebook n'est pas bloqué. Si je tente le bon coin, tiens. Allez, leboncoin.fr. Le bon coin n'est pas bloqué. Si je tente LinkedIn.com, ça c'est bon. YouTube. Ah, j'utilise même Bing pour essayer. Ça passe aussi. Bizarrement, les pages étaient plus rapides à charger. Pas bloqué, mais pas de pub a priori. C'était sur quoi? Ah, sur le bon coin, ouais. Tiens, il y en a un autre qui n'est pas d'accord avec la Coupe du Monde au Qatar, visiblement. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Qu'est-ce qu'on peut essayer sur les. Bah, tiens, Twitter. Zut, j'ai oublié, j'ai mis une virgule. Hop. Twitter, c'est encore dispo. Et pendant ce temps-là, au niveau blocage, ça donne quoi? Il y a des sous-domaines, ouais, effectivement, c'est beaucoup de sous-domaines de publicité, j'ai l'impression. Ah, t.co est bloqué. T.co, je crois que c'est un raccourcisseur d'URL, hein, si je dis pas de bêtises. Plateforme.linkedin.com. Ça, c'est pareil, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est bloqué. Je sais pas, si je tente d'aller sur le site de l'EFF, tiens. Hop. Non, pas depuis cette machine-là. Ici. Si je cherche l'EFF. Hop, Electronic Frontier Foundation. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Est-ce que Mastodon est private and secure? The Fediverse could be awesome, mais. Mais il s'affiche. En fait, je craignais que. Ah, Dish, tu nous rajoutes que t.co sert surtout d'analytics à Twitter. Ah! Et ben, j'en apprends hein, ce soir du coup des choses. Non, toujours pas là. Les cartes graphiques, on s'en fiche. Ah, il y avait des trucs de Leboncoin qui ont été bloqués. DD.leboncoin. Hop, il était où? Leboncoin.fr. On peut bloquer un site depuis AdGuard. Bonne question, tiens, on va regarder si on peut. Alors. Settings. DNS peut-être. Upstream. Non, c'était où dans les. DNS cache configuration. Access allowed. Non. Ah, disallowed domain. Donc je peux rajouter un truc.
Bah écoutez, hein, je vais faire un truc assez bête, hein, anotherhomepage.org. Hop. Ça fait peur tous ces liens parasites. Epsilon, tu veux dire tous les trucs façon, enfin tout ce qui est bloqué en fait. Ah oui, la pub, ouais. Donc là, je viens de mettre anotherhomepage.org dans les blocages. Hop, on va non. Je le perds, mon Windows, il est là-bas au fond. Hop, anotherhomepage.org. Et je vais me manger le mur. Il va me dire quoi? Qu'il n'arrive pas à trouver un nom? Ou que... Voilà, il n'arrive pas à trouver anotherhomepage. salut à toi, Bilouret. J'espère que ça va bien. Ça va, t'arrives un petit peu plus... je crois que c'est toi la dernière fois qui étais arrivé un petit peu à la fin. Mais là, ça va, il reste encore un peu de temps. Le problème, c'est que beaucoup de sites ne marchent plus correctement avec les blocages. Il faut souvent mettre des sites en whitelist. Ouais, je comprends. L'AdGuard, depuis un sacré moment, tu en es super content. Ok, Velmat, d'ailleurs, salut à toi. C'est pas un vrai site, ça. Là, à nos homepage, si, c'est un vrai site. C'est juste que j'ai mis à bloquer mon propre site pour voir par exemple. Mais on peut mettre LinkedIn, on peut mettre Facebook. Mais ça veut dire que, voilà, on peut rajouter ses propres... on peut rajouter ses propres ajouts, en fait. On peut faire ces ajouts personnalisés. Il y a même des wildcards, des filter rules, genre... Ah, ok, d'accord, on peut même jouer avec des... Ah, mais c'est un vrai site, anotherhomepage.org, Fabou. Mais on peut le faire avec LinkedIn, hein. Par exemple. Tout à l'heure, LinkedIn, on l'a eu. Bah, Fabou, anotherhomepage.org, c'est ma page perso, en fait. Tiens, il marche toujours. Ah oui, parce que j'ai juste mis LinkedIn.com. J'ai pas mis le 3W, donc il a dû bloquer éventuellement des requêtes vers... Mais si je fais .linkedin.com... Hop. Non, toujours pas. Ah, ça va être le cache. Alors, comment on vide le cache? Settings. Search settings. Hop, cache. Browsing. Je peux pas lui dire... Clear browsing data, no. Ouais, bah tout, allez hop. Voilà. Je referme, je referme. Salut à toi, Manon. Bah, ça va très bien. ipconfig slash flush DNS. Hop. Ah ouais, c'est peut-être ça aussi, effectivement. Oui, parce que... Ah. Ah. Hop. Bon, bah voilà. LinkedIn.com. Pouf, a pu. Alors, oh, fidèle, fidèle, mais il n'y a pas de souci, Manon, t'inquiète, t'inquiète, tu viens quand ça te fait plaisir, hein, et puis si des fois t'en as marre, il n'y a pas de problème, je t'en tiendrai pas rigueur. Ton nouveau rythme de vie est moins facilitant pour suivre mes lives ou ceux de Yorzian. Qu'est-ce qui se fait de beau? Eh ben en fait, Manon, ce soir, on est gentiment en train de découvrir AdGuard, qui est une solution similaire à Pi-hole. Qui permet de faire du blocage DNS, notamment bah, de publicité ou de trucs malveillants. Voilà. Donc on a les deux en parallèle, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que j'ai... en fait, Pi-hole était serveur DHCP notamment, et donc on a désactivé le DHCP du Pi-hole pour que AdGuard soit le serveur DHCP du réseau. Et là, on faisait joujou, on voyait qu'il y a toujours autant de télémétrie par défaut activée sous Windows 10, et qu'on peut même mettre nos propres règles en plus des filtres communautaires qui sont disponibles. Hop, voilà, donc j'ai bloqué mon site et j'ai bloqué LinkedIn. Et donc c'était marrant.
Voili, voilou ce que tu as. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, j'espère que ça se calmera bientôt pour toi, pour ton rythme de vie. Pas pour que tu puisses retourner voir Yorzian et moi plus souvent, mais aussi pour toi, pour pas que tu sois trop fatigué. En tout cas, j'espère que tu ne l'es pas trop. Ah, il y a même des listes. Ah, on peut faire même le contraire. On peut faire des listes de. Donc, on peut avoir des listes de blocage et on peut aussi avoir des listes d'acceptation. Ce qui peut être intéressant, effectivement. Parce que là, effectivement, oui, c'est des listes de pur blocage, en fait. Et là. Ah non, c'est pas des. Ah oui, c'est pour faire des trucs du genre, même si c'est bloqué, tu les ajoutes. Ok. Ah bah c'est gentil Fabou de revérifier que c'est bien un vrai site. Alors, tu seras en poste à Paris le vendredi et dimanche, tu seras toujours en mode transit. Ah mince. Encore 3 ans. Eh bah bon courage, bon courage. J'espère que tu arriveras à trouver un rythme où tu ne seras pas trop fatigué. Pour l'instant, Xavier préfère Payol. Alors dis-nous pourquoi, tiens. Moi, pour le moment, en fait, il y a la partie DHCP qui comment dire, qui m'embête un peu. Enfin, la configuration, là, j'ai trouvé ça pas très clair. J'ai beaucoup apprécié qu'au niveau des filtres de blocage, on ait pas mal d'options qui soient déjà proposées, en fait. Ah, niveau interface? Niveau interface, ah, tu trouves celle de Payol plus jolie, c'est ça? Ah, tiens, allez hop. Plus intuitive. Ah bah oui, très clairement, l'histoire du DHCP tout à l'heure, oui, c'était pas ouf. Après, là, dans notre cas de figure, donc j'ai quand même dit du mal de Hadgoard sur la partie DHCP. Là aussi, ce que je trouve dommage, c'est que j'aurais peut-être apprécié que la sauvegarde de la conf soit plus haut, peut-être en haut à droite. Parce que là, tout à l'heure, je l'avais pas vu, le petit save en bas à droite. Même si c'est logique en soi. C'est logique qu'il soit en bas. Tu parcours la conf et après, tu fais save. C'est peut-être moi qui là par contre est un peu embêté. Alors tu préfères Payol pour le DHCP Alain, beaucoup de réservations à faire avec des fichiers texte, c'est plus. Ah, il y a moyen de faire un import dans Payol? Oui, les fonds. Ah oui, non mais très très sincèrement, les deux outils sont là pour faire à peu près la même chose, hein, très clairement. Très clairement. Mac adresse is invalid. Ah d'accord, faut le rentrer. Alain, je suppose que tu avais du coup donc tu avais donc rajouté peut-être directement dans ah oui la config dans slash etc. Ok. Oui, c'est vrai que là on n'est même pas allé regarder comment AdGuard stocke sa config. Hein. Je vais me connecter, tiens, sur les machines, on va rigoler un peu. Donc là, je suis sur la. J'étais sur AdGuard. Hop. Est-ce qu'il y a des trucs en particulier? Est-ce qu'il aurait installé des paquets ou des. C'est du go. Add. Hop. Il m'avait pas balancé un message au début quand il m'avait fait l'installation. Je crois que c'est dans slash opt hein, qu'il a mis ses trucs. C'est ça, AdGuard Home. Tiens d'ailleurs. Ah, c'est ça, adguardhome.service qui est là. Donc a priori, il envoie des logs dans Varlog.
Ah, ok, il a un... Donc là, on a vu l'erreur tout à l'heure pour le filtrage. Et en fait, il va sauvegarder data filters. Ah, d'accord. Alors la question, c'est où est-ce qu'il va aller sauver ses... Oups, je crois que je l'ai cru. Ah non, il y a un... Allez, on va aller parcourir ça, tiens, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est un binaire. Ok. Avec, je suppose, la signature. Data, ok. Ça, c'est quoi le point YAML qui a été modifié aujourd'hui? Tiens, d'ailleurs, je vous précise, hein, mais la machine est en UTC, donc il y a du décalage par rapport à l'heure ici. Ok, donc en fait, il stocke toute la configuration dans un fichier YAML. Oh, c'est intéressant ça. Et donc voilà, la liste des machines, enfin des hôtes bloqués. Ça, c'est cool. Par contre, ah oui, donc là il a mis toutes les activations. Ok, cool. Et il a même mis la configuration visiblement des HCP, mais je ne vois pas. Salut à toi Gizmo. Bah en fait c'est juste du test, hein. Ouais, attention à l'IP public. Non, arrête, il y avait encore une IP publique là-dedans? Non. Non. Non, là c'est bon, c'est de l'IP privée. Mais oui, c'est vrai que c'était un peu dommage de me faire avoir sur ça. C'est assez rageant. Je ne vois pas de MAC adresse. Ah, mais alors, si ça se trouve. JSON data. Alors. Ah, une erreur. Zut. Moi qui espérais. Donc en fait, la partie adresse MAC, c'est dans un fichier qui s'appelle leases.db et qui semblerait être du JSON, mais JQ arrive pas à le lire proprement. Donc effectivement, Alain B ailleurs est dans un format bizarre. Un truc qui se rapproche du JSON. Et si jamais pour comparer, on va sur... Ah, tu penses que le 4 PipeJQ va passer? On sait jamais, on peut essayer. Ah oui, ça passe. Marrant. Donc, malgré tout, je pense, Alain... Alors, mon but n'est pas de te convertir à AdGuard, mais sur ce point précis, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Par contre, ouais, tout est en base 64 en fait. Echo. On va faire celle-ci, pipe base 64-D, si j'ai un... Non, il me fait rien. J'ai bien la commande base 64 au moins. J'ai pas l'impression. Si, je l'avais, base 64. Moins D pour décode. Ok. Bon, je pense que j'ai dû me. Hop, voilà. Alors pour le principe, on va essayer de le décoder, quoi. Non, rien. Si, c'est les deux caractères. Ouais, mais alors les deux caractères devant le prompt, honnêtement, c'est pas une IP, ça.
Et là, j'ai un R avec une parenthèse, mais c'est quoi? Et limite, on voit que les IP se suivent parce que je sais pas si vous avez remarqué au niveau IP, ça fait WKGA avec et un Z. Donc déjà, 1, 2, 3, 4, les 5 premiers caractères. Est-ce que c'est pas la conversion string B64 INT UTF-8? Oh. Alors là, Yoda, Tu veux dire qu'en fait, il faut encore refaire une conversion derrière. Je suis pas ultra ultra rassuré. Enfin, j'ai un peu du mal à. Alors, pourquoi, quel intérêt serait à faire ça? Autant je peux comprendre le base 64. Je peux le comprendre. Enfin, rajouter des trucs en plus. Alors, bah voilà, ça allait bien jusqu'à maintenant, mais là, je suis paumé. T'inquiète, Fabou, t'inquiète. En gros, Fabou, c'est juste que, en fait, là, on est dans le fichier qui contient, en fait, les baux DHCP pour la configuration de AdGuard. Et en fait, on voit qu'on a les valeurs MAC, IP, host, et puis l'expiration. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les adresses MAC et les adresses IP sont réencodées en utilisant base 64. Ah oui, bien sûr, la config DHCP PyO, là, à mon avis, tu vas dans 168.0.53. Eh oh, tu me... 68 points. Bah alors, qu'est-ce qui me fait le clavier? J'ai le clavier qui commence à faire des siennes. C'est mauvais signe. Allez, je voudrais juste regarder ça avant la fin. Il va m'envoyer bouler, hein. Il va m'envoyer bouler, il va me dire le mot de passe est pas bon. Alors là, je pense que vous avez bien dû entendre les claques du clavier. Et vu qu'il a fallu que... Ouais, ok, très bien. Ouais, F le clavier. Je suis en train d'envisager... Enfin, il me fait des blagues depuis quelques temps. Ça m'embête un peu, parce qu'en dehors de ça, je l'aime bien. Ah, voilà. Je l'ai débranché, je l'ai rebranché. Hop. Payol. Ah bah le DHCP.lise. Hop. Donc on a effectivement. Et il tape, c'est sa façon de coller. J'aime beaucoup Manon, magnifique. Je veux bien que tu refasses toutes les paroles. Mais oui, carrément, on a donc... Ah, c'est marrant, ça. Il y a donc... Ça, c'est la durée du bail, je suppose. Là, on a une adresse MAC. L'adresse IP. Le nom de la machine. Et derrière, il nous remet l'adresse MAC, mais préfixée d'un 0-1. Et quand il n'y a pas de nom de machine, il met un étoile. Black Friday profite pour le changer. Je suis pas sûr que là où j'ai envie de m'acheter des claviers. Ah, quoique. Ah, faut voir. Faut voir. Faut voir. On verra bien. Donc, oui, effectivement, là c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple à comprendre. Carrément.
Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre sur AdGuard? Au niveau des... Ah, il y a même des réécritures DNS. C'est-à-dire... Ah, on peut carrément dire, hey, au fait, tel... Ouais, enfin, ce qu'ils appellent en fait un DNS rewrite, c'est juste de faire du hard coding soi-même d'enregistrement, en fait. C'est, je peux lui dire, au fait... Ouais, non, mais oui, effectivement. Ok. Ah, et on peut même mettre un CNAME. Ok. C'est ça, des enregistrements A ou CNAME. Tout à fait. Ok. Payol le fait, ça, je crois aussi, non? On l'avait fait, non? Tools. Conditional forwarding. À tes souhaits. Ah, elle a un casque, elle entend pas, c'est pas grave. Donc là, on avait un blocage du filtre en expression rationnelle, non? Ah si, local DNS, il est là. DNS records. Et donc là, on pouvait... Ouais, je l'avais fait. PyVPN.pyol.net. Je savais bien que je l'avais fait. Ah bah ouais, carrément, on peut essayer. Tiens, on va le faire dans AdGuard, vu que c'est le AdGuard qui est... Hop. On va lui dire Microsoft.com. Et on va le renvoyer vers linuxaffaires.org. Tiens. Voilà. Donc ensuite, on va regarder ça. Il est passé où le Windows? Hop, voilà. Ben, pas de soucis, dis-je. Je suis ravi de t'avoir diverti. Ça m'a fait très plaisir que tu passes. Bonne soirée à toi aussi. Bonne fin de week-end. Et à bientôt. Allez, Microsoft.com. Ah oui, non, mais c'est le 3W. Ah non, mais attends. Allez. On va faire étoile.microsoft.com maintenant. Et on va envoyer vers linuxaffaires.org. Hop. Save. On rafraîchit. Bon, allez, on va vider le cache à nouveau. Il est où le truc? Settings. Hop. Salut à toi, Fixoulab. Alors, je vous invite. Tiens, je vais en profiter. Alors, déjà d'une. Hop, allez, un petit shootout pour Fixoulab. Hop. Vous pouvez aller poser vos follow chez lui. J'ai pas suivi, d'ailleurs, la fin de ton stream d'hier, Fixoulab. Je sais pas si tu as réussi. Ah, finalement, parce que j'en étais resté à essayer de faire de brancher des cartes mémoire de PlayStation 1 sur de l'Arduino, je crois, pour les brancher à un PC, si je me rappelle bien. Puisque l'objectif final, si j'ai bien saisi, c'est de faire fonctionner Linux sur une PlayStation première génération, une PSX ou PS1, je pense. J'avoue, ça m'intéresse, parce que moi, je sais que je regarde depuis un petit moment. J'ai une PSX à la maison, qui n'est plus très très fonctionnelle. Je crois que le lecteur CD est un peu fatigué. Et j'ai aussi une PS2. Et je sais que les PS2, en théorie, peuvent faire fonctionner un Linux. Et j'aimerais bien un jour essayer. Mais visiblement, il faut des kits spéciaux. Bref, je diverge un peu, mais à l'occasion, j'aimerais bien essayer. Et donc, Yoda qui est allé donc creuser cette histoire de base 64 et qui nous indique que en fait, c'est en fait 0x16... Oh la punaise.
qui donne 188 0100. Ok. Ok, donc t'as fini par retomber dessus. IPv4, 4 octets. Ouais. Et donc c'est logique qu'on retrouve la même, le même début sur toutes les chaînes, puisque pour faire 192, 168, 0, bah, c'est les mêmes caractères qui sont utilisés. Sauf que Bash a essayé de mettre deux fois 4 octets pour faire une chaîne de caractères faisant un affichage bizarre. Ah, ok. Et donc vous avez réussi avec Denis pour fixer la... Ça c'est cool. Bon, je disais donc, 1, 2, 3, .microsoft.com. Et ça renvoie vers LinuxFR. Ah, je suis content, là. Ah, ça me fait plaisir. Ça, c'est un bon moyen de finir le stream. Ça, c'est un bon truc. Ça me fait bien plaisir. Allez, d'ailleurs, vu qu'il est quasiment l'heure, on va pouvoir se remettre comme ça. Ouais, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Vous imaginez, on peut faire joujou avec un DNS menteur et remplacer tous les trucs chez Microsoft. Ça peut être une idée de blague à faire sur un réseau de temps en temps. Sur un réseau, je sais pas, genre un réseau invité, un truc comme ça. Hey, salut à toi Azram, t'arrives pour la fin. T'as loupé... Oh, ah si, je vais te remontrer, tiens Azram, allez. Je vais te remontrer quand même. Tu vois, là, je suis sur une machine, bon, sur une machine sale, mais je fais www.microsoft.com. Et hop, ça redirige vers LinuxFR. Voilà, je suis content. Je sais, ça, c'est complètement, complètement inutile, j'ai envie de dire. Ou peut-être que pour des gens, c'est absolument indispensable. Mais voilà, ça me fait rire. J'espère que vous aussi, ça vous fait rire. Xavier, merci beaucoup. Bah, de toute façon, on va s'arrêter. Tu vas pas louper grand chose. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne fin de week-end. D'ailleurs, pour nous aussi, ça va être la fin du stream. J'espère que ça vous a plu. Alors non, figure-toi, Azram, ce n'est pas le fonctionnement attendu. Figure-toi que les gens s'attendent à ne pas. Enfin, les gens ne s'attendent pas à se retrouver sur LinuxFR quand ils vont sur le site de Microsoft. Toutes les requêtes de mise à jour de PC qui arriveraient là-bas. Ouais, je pense que je vais l'éteindre dans pas longtemps. Et je vais aller glisser un mot à mes petits camarades admin chez LinuxFR en leur disant « Si vous voyez des trucs bizarres dans les logs ce soir à cette heure-ci, c'est que j'ai fait des bêtises. Vous inquiétez pas, tout va bien. » Donc, pour finir, visiblement... c'était assez sympa d'aller faire joujou comme ça, de voir un peu un outil, on va dire, concurrent à Payol. J'avoue que de mon côté, Payol, peut-être si je dois monter un truc de ce type-là, je pense que Payol, ça peut être sympa. AdGuard, ça a l'air de bien marcher aussi. Visiblement, il y a des fans des deux dans le chat. Donc, je pense que globalement, les deux outils fonctionnent plutôt bien. C'était assez intéressant de faire cette série de trois lives avec donc Payol, PyVPN et AdGuard. J'ai appris des trucs. Ça a permis de voir un petit peu comment ça fonctionne. C'est assez sympa. Toujours est-il que ça veut dire que bah, dimanche prochain, on attaquera peut-être un nouveau sujet. Je ne sais pas encore lequel. Peut-être que ce sera enfin l'upgrade du Home Lab ou pas, peut-être qu'on fera du Squid ou pas, on va voir. Toujours est-il que si jamais vous voulez découvrir ce qu'on fera dimanche prochain, et ben donc rendez-vous dimanche prochain à 18h, mais vous pouvez aussi me retrouver avant, puisque je stream aussi les jeudis de 20h, enfin à partir de 20h normalement. En ce moment, les jeudis, on est plutôt dans l'infra as code. On avance tranquillement sur la mise en place d'une machine Linux, Nginx, MariaDB, PHP en infrastructure as code. On est à fond dans l'Ansible en ce moment, sur un laboratoire virtuel. Donc n'hésitez pas à aller nous rejoindre aussi les jeudis, on s'amuse bien.
Et sinon, entre deux streams, eh ben, vous pouvez passer me voir sur les réseaux sociaux. Alors, il y a certains d'entre vous qui commencent à me suivre sur Mastodon. Bah, bienvenue à vous. Et puis, vous pouvez me retrouver donc sur mastodon.xyz slash Nils avec un N majuscule, si je dis pas de bêtises. Pour ce qui est de tous les autres réseaux sociaux, bah, de toute façon, vous avez la liste en bas. Et vous avez ma page personnelle anotherhomepage.org qui va récapituler tous les réseaux sociaux, dont notamment le serveur Discord et aussi la page YouTube sur laquelle vous retrouverez d'anciennes versions de mes. Enfin, d'anciennes versions. Les anciens streams, les très anciens streams, j'ai envie de dire. Puisqu'il y a un petit peu de lag. Voili, voilou! Avant de se quitter ce soir, est-ce que quelqu'un a une idée d'un raid qu'on pourrait aller faire? Parce que je vois pas grand monde de mon côté. C'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué le dimanche. C'est un petit peu plus compliqué le dimanche. Alors, est-ce qu'on pourrait regarder dans la catégorie sciences et technologiques? S'il y a quelqu'un à aller raider. Il n'y a pas grand monde ce soir, a priori, sur sciences et technologies. Si on fait un just chatting. Si on fait un just chatting, ouais. Alors, il y en a qui regardent du foot, non. Bon, et bah tant pis, pas de raid pour ce soir. Mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Il y a Adrien LT qui mixe. Ah, qui mixe peut-être. Adrien LT, tiens, voyons voir ce que ça donne. Hop, Adrien LT. Ah, mais c'est Adrien Linux Tricks. Ah, bah carrément qu'on va aller le voir. Ah, bah c'est chouette ça. Ah, d'accord, et puis il est en train de. Ok, et bah écoutez, on va aller le raider. On va aller le raider. Hop, allez, c'est parti. Red channel. Hop. Allez. Comme d'habitude, hein, pour les raids, je vais mettre la page de fin de stream, mais on peut y aller. Allez, bye bye, à jeudi.